à mon avis, peut-être ça, c'est quelque chose qui explique très, très bien le crunch. Et les gars, c'est do or die. C'est maintenant ou c'est jamais. C'est le moment de montrer qui on est. Mon expérience en France était magnifique. C'était quelque chose d'énormément positif pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé à progresser. Mais peut-être le plus intéressant, c'était pour moi de vraiment me connecter avec des gens français. Le plus important, c'était la beauté dans les gens. C'était un accueil amical, des gens qui me soutenaient. Pas parce que je tapais des ballons, je faisais on gagnait des matchs, c'était juste parce que vous êtes ici, vous faites partie de notre équipe maintenant. Ça m'a beaucoup changé le regard du rugby français. Le crunch pour moi, c'était toujours le match le plus inconnu, déstabilisant. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va voir là, qu'est-ce qu'on va expérimenter. Énormément de matchs, spectacles incroyables, c'est parce que les Français sont là-dedans. Ils étaient inspirés par l'énergie des tribunes. Ils étaient vraiment à même de trouver l'énergie de l'extérieur, de se servir de ça. On croyait qu'on était vraiment sur le point de recevoir un grand choc contre eux. J'avais l'impression, depuis le premier match, qu'il y avait quelque chose en action plus grand que juste ce match. Il y avait une histoire là qui était dans chaque plaquage. Il y avait une histoire qui était dans chaque opportunité. Et quand on marquait les essais, ou quand l'équipe de France marquait les essais, il y avait une vraie meaning dans les essais, dans les célébrations. Il y avait une énergie intense partout. Et le crunch, de temps en temps, les gens ils pensent que c'est que le physique. Le physique, l'agression, l'agressivité, le désir de dominer l'autre. Mais c'est pas ça. À mon avis, c'est deux équipes qui essayent de dire, OK, c'est le crunch, c'est le plus important. Et qu'est-ce que c'est le plus important pour moi? C'est de montrer qui je suis, qu'est-ce que j'ai dedans. Parce que c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'en Angleterre, ils utilisent la phrase, c'est do or die. C'est maintenant ou c'est jamais. En fait, c'est l'idée de... C'est le moment maintenant de faire ce que tu veux faire dans ta vie. C'est le moment de montrer qui on est. He's got it, hasn't he? He has indeed. Les joueurs français, j'ai l'impression qu'ils sont très confiants. À mon avis, ils sont inspirés par l'opportunité de faire quelque chose d'exceptionnel. Ils cherchent quelque chose de spécial ensemble. Pas juste gagner. Et c'est un bon moment. C'est une génération avec tous les ingrédients. Voilà, en même temps, et c'est spécial. Il faut profiter. À mon avis, l'équipe d'Angleterre, ils sont pas du tout loin de la même situation. On sait qu'on va être testé. J'aime beaucoup quand l'équipe qui mérite gagner, il gagne. Alors, si les deux équipes donnent tout ce qu'ils ont, ça va être le crunch, c'est ça. Ça va être un beau match, c'est sûr.